Coucou la compagnie, un petit point pour voir un petit peu comment se passe cette journée de manifestation du 6 avril. On commence en beauté avec Lyon où, fait notable, nous avons une distribution de capsules Nespresso offertes par les Antifa locaux puisqu'ils se sont fait une petite ouverture dans une vitre et ils font de la distribution. Le magazine Lyon Mag, magazine financé par la municipalité, nous précise que le magasin Nespresso a été pillé par des manifestants qui ont organisé une distribution gratuite de dosettes de café. Encore heureux que ça soit gratuit, hein ? Déjà qu'on pille, et en plus, faudrait faire payer ? Non mais, sans blague ! Qu'est-ce que disent les twittos ? Organiser une distribution gratuite de dosettes, traduction journalistique, en bon français, piller le magasin. Ça me semble tout à fait exact. Alors, on a aussi, faudrait penser à flouter les images. Oui, on a les images, les visages des personnes. Bon, ils ramassent des dosettes. En plus, à un moment donné, c'était carrément presque la bagarre. Ah oui, véritable utilité publique. Voilà. T'as tous les connards qui filment, putain, je te ferai bouffer ton téléphone. Tous ces connards et ceux qui ne portent pas leurs couilles, qui regardent bien sagement, vous êtes des merdes, des grosses merdes. Le pillage, c'est pas toléré ou tolérable. La révolution peut-être. Alors, les Black Blocs à l'œuvre. Ça serait des Black Blocs, ça ne serait pas donc des Antifa. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Attends, il y a du son. Attends, je remets mon casque. Tout cela me semble particulièrement bon enfant. Je sais pas. Ça manifeste dans la joie et l'allégresse. On rentre dans des boutiques. Mais que font-ils dans cette boutique? Ça doit être encore l'histoire de Nespresso. Bigre. Bon, pendant ce temps-là, Macron est à Paris. Bon, là, c'est pas en direct aujourd'hui. C'était pour la suite de la vidéo. Là, c'était, je ne sais plus, l'élection de 2017, plutôt, oui, je crois, où ils avaient fait festoyer entre gens du beau monde, à la rotonde, le tout Paris, le tout Osmo était là, la rotonde a failli cramer, puisque les manifestations étaient remontées à bloc. On va regarder ça. Mais avant ça, un petit passage par Strasbourg, où la situation est très tendue. Attends, on va couper le son. Les manifestations forcent les barrages de police. C'est beau. Regardez, en plus, avec ces couleurs, ce fond, Et puis, tous ces gaz lacrymogènes, j'adore ça, moi. J'adore ça derrière mon écran, tranquillement installé, en sirotant un peu de café. Tiens, je vais siroter un peu de café, mais sans sucre. Et si pas du Nespresso, je ne l'ai pas eu auprès des Black Blocs, des Antifas, je ne sais pas trop. En tout cas, ils ont tous des drapeaux noirs. Tout cela me semble peu urbain. Ah, mon Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors là, il y a un Bruno Attal qui nous dit « Cher Didier Mesto, où j'ai l'impression qu'il a été condamné pour la justice pour un délinquant et donc une raquelle. Il soutient l'extrême-gauche violente à la manif 6 avril. » Ouais, pourquoi pas. « Les pompiers à l'Arc de Triomphe. Action coordonnée des pompiers français et belges venus protester contre la réforme des retraites. Leurs conditions de travail et la paupérisation du peuple européen. » Bigre. Il s'en passe des choses. Je veux pas dire. Ça m'en met la goutte au nez, tiens. Des militants envahissent le siège des Black Blocs à Paris contre les réformes des retraites. Ils ont un siège, les Black Blocs à Paris? C'est bizarre, ça. De Black Rock. Black Bloc, Black Rock. C'est à l'intérieur des locaux, là? Ou alors ils sont devant? Donc là c'est pas aujourd'hui, ça. Attends, ou alors ils sont venus, ils ont été en pleine nuit? Je comprends pas trop.
Tout cela me semble bizarre. Ah bah tiens, notre ancien ministre. Et soudain, un barbu avec un livre de maths surgit en vélib. Manif du 6 avril. Oh mec, Cédric Villani, qu'est-ce que vous faites là? Je manifeste contre la réforme des retraites. On peut faire une interview? Oh non, mais prenez une photo, je vais lever le poing. Oui, notre ministre qui était habillé, bah d'ailleurs il est toujours habillé pareil, hein, c'était... Bon, l'écharpe bleue, cela va sans dire. Ah mais bon, droit dans ses bottes, hein, droit dans ses bottes. Attends, alors qu'est-ce qu'on a? L'acte 2 transformant la rue de Paris en décharge publique jusqu'à la retraite de la réforme, la CGT, des éboueurs de Paris appellent dans un communiqué à augmenter le rapport de force à compter du 13 avril, où une nouvelle grève doit débuter. Purée, c'est pas propre, c'est même très sale. Ah oui, donc là, c'est ce que je vous causais. Donc, les manifestants ont essayé de cramer la rotonde. Courageux et résilient face à des Black Blocs, très violents lors de la manif du 6 avril. Malgré son casque, un commissaire de police a été blessé par un jet de pavé et a perdu brièvement connaissance. Une gendarme blessée à l'œil. Elles ont été transportées à l'hôpital. Ah oui, c'est une commissaire. Ah bah oui, la mise en avant. Ah bah la féminité dans la police, c'est important. Oui, donc en fait, ils interdisaient aux gens de machin. Bah, de toute façon, on va bien voir un truc cramé. Alors, ah oui, alors là, c'est aussi à Lyon. A priori, il y a eu un lacrymo qui a été s'encastré dans un appartement au-dessus. Donc ça bouche, ça crame. Alors d'un côté, t'as Bruno Attal qui dit « Les racailles, les black blocs, les antifas sont responsables des accidents collatéraux qu'une guérilla urbaine peut engendrer. Dans la mort tragique de Zaneb Radouane, Mélenchon a sa part de responsabilité. » Je ne sais pas qui est Zaneb Radouane. Bon, mais bon, si il nous dit que Mélenchon a sa part de responsabilité, je vais bien le croire. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Marseille. Alors là, c'est Toulouse, merde. À Toulouse, les forces de désordre donnent des coups d'envoi des hostilités. On se sent en sécurité dans ce pays. Donc là, ça... On a d'un côté les policiers. On a de l'autre côté des énergumènes, des rastaqueurs, des machibouzouks. Qui vilipende, qui lance des pierres. Mon Dieu. Oh là là, il y a une charge. Oh, ça charge, là. Oh là là, il y a des coups de bâton, là. Oh, le coup de bâton, tu l'as senti, mon coup de bâton? Oh, il fait moins le mariol, là. Il fait moins le mariol. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? À Strasbourg, les manifestants repoussent la police. La patience des Français a des limites. Et là, c'est une photo... Là, on voit un bord de rivière, je sais pas lequel. On voit des gens au loin. Bah, c'est pas très imagé, tout ça. Bon. Bah, allez, on continue. Ah, Libé, en direct. Plus de 7 Français sur 10, toujours opposés à la réforme. Oh ! Alors là, ça, c'est... Ah, c'est beau aussi. Ah, c'est grand. Gaz tapé du pied. Même... J'arrive même pas à lire. Donc là, on a blocage en cours du dépôt pétrolier d'Anvers, en Belgique, en solidarité avec les travailleurs français, et pour empêcher la multinationale de livrer du carburant vers la France. Ah, c'est fino. Alors, ce soir, quand le stagiaire nul en maths de la préfecture de police de Paris annoncera quelques dizaines de milliers de manifestants, ce sera encore un mensonge, c'est un tsunami. Je suis la foule, légitime. Ah, c'est beau, oh là là, j'en frémis. Alors c'est ce matin... Alors là, à Lyon encore, ils ont Keblo, Perrache, donc pas de A7 ce matin. Donc ils ont foutu des trucs sur la voirie. Ah, ils font cramer des trucs rouges. Ça fait de belles couleurs. Ah, c'est festif. Voilà, vous verrez mieux comme ça. Lyon, interdiction, donc les gens doivent être ravis. Bon là, encore les fameux pompiers... Alors, foule impressionnante à Brest. Ouais, c'est vrai que ça fait du monde quand même. Il y a du people. C'est nice people, man. Nice people. Oh. Ok. Ah oui, alors là, celle-là, je crois que c'est une gonzesse. Un gars de CNews vient l'interroger. Et a dit, oh non, bah, je peux rappeler à CNews et c'est extrême droite, c'est facho. Ah, c'est terrible. Ah non, je dirai rien. Ah bah, elle dira rien. Tension à Paris, les CRS se chargent et font usage de gaz lacrymogène dans le cortège syndical. Oh, comme c'est triste. Oh, comme c'est pas beau. Putain, le gars, il est sur le côté, là. Il est pas dans ses petits souliers. Ah ouais, il trace quand même. Il s'était caché.
Oh là là, ça, là on a vu, ça lance du flashball, là, pas du, de lacrymo, je sais pas trop. Et t'as, les, et t'as des policiers assermentés qui sont avec leur caméra, qui enregistrent tout. Ah, et puis c'est de la haute définition, messieurs dames, hein. c'est pas de la cam. Hein. Ouais, moi je dis ça, je dis rien. Ah, moi je dis, il faut s'équiper sport. Hein. Et quand c'est sport, c'est sirosport. Bon, bah ça continue à pétarader, bon, on va arrêter. Alors, ai-je aujourd'hui sorti du tribunal correctionnel, digne les bains, un citoyen jugé pour avoir récupéré des denrées alimentaires jetées à la benne par des grandes surfaces, par les redistributeurs aux pauvres. Oh, les redistributeurs aux pauvres portent plainte contre un mec qui a récupéré de la bouffe dans une benne. Mais il faisait peut-être un commerce illégal. Aux pauvres, donc 3 mois, dont 2 avec sursis requis. Oh, citoyens en colère. Digne d'un gag. Un policier loupe complètement son lancer de grenade lacrymogène. Oh, oh, oh. Allez, on va le revoir. Attends, moi j'ai rien compris, j'ai rien vu là. Ta-ta-ta-ta. Ah ouais, effectivement, oui. Ah, il s'est un peu gouré, ouais. Ouais, ça y est, comme elle a pété, il voulait la récupérer, mais bon. Alors là, on est vraiment dans le summum là. Ouais, c'est un peu de bêta, mais bon, ça arrive. Hein. Oh là, c'est quoi qui a couru là? J'ai l'impression qu'il y avait un vieux rat qui a. Non, c'était. Je sais pas ce que c'était. Donc encore les pompiers, qu'est-ce qu'on a là? Oui, c'est manifeste, il y a du... Ah bah tiens, voilà la rotonde, donc, on y vient. Donc il y a quelqu'un qui essaye, putain, le mec il essaye avec un bac à champagne, putain, où on fout les bouteilles de champagne avec les trucs, il essaye d'arrêter le feu, ça va pas être possible vieux, hein. Je pense pas que ça va marcher, hein. Ah, il essaye quand même, hein. Ah oui, ah non, c'est une dame. Ah, putain. Bah oui, c'est son gagne-pain. Bon, ce soir, je pense pas que vous allez ouvrir. Hein. Ça va être compliqué. Mais bon, de toute façon, l'État remboursera les assurances, etc. Hein. Alors, oui, donc ça, on l'a vu. C'était à Lyon. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On est où, là? Gigantesque mobilisation à Marseille, où des milliers de personnes portent encore... partent encore du Vieux-Port, alors que la tête de cortège est arrivée depuis une heure. Ta-ta-ta-ta. Ah, c'est beau, assez grand, assez fort. Et quand c'est fort, c'est sirosport. Ben, je me répète là. Je perds le fil. Alors, Alsace révoltée à 17h, on ne rentre pas. Appel à garder la rue ce soir contre la réforme des retraites. Après la manif syndicale, jeudi soir, on reste dans les rues de Paris. Eh ben dis donc. Ni pause, ni essoufflement. Envahissement d'un siège de Nextaxis par les éboueurs grévistes d'Ivry et leur soutien pour aller chercher les 140 milliards de la fraude fiscale. Eh bien, dis donc, ça dénonce, hein. Ah, ça dénonce. Ça dénonce. Ah oui, alors là, on voit un petit peu mieux. Attendez, hop. Donc là, c'est le départ de feu. Attendez, on va recommencer du début. Voilà. Ah bah là, ça écrame. Ah bah, c'est le même truc vu d'un peu plus loin. Allez, Simone. Vide. Et te casse pas la gueule, ce sera un petit peu dommage. Ouais, ah bah dis donc. Ah bah pendant ce temps-là, notre députation, contre l'avis du député de Macron qui avait piscine, l'Assemblée nationale a adopté la proposition de la NUPES de bloquer les prix des produits de première nécessité. Oh, ne laissons plus les affameurs nous affamer. Oh. Oui, c'est vrai qu'on peut tous vivre avec une boîte de... avec 1 kg de farine, 3 litres d'eau, et puis quoi d'autre, un petit peu de beurre, 2 litres de lait, hein, c'est vrai que... Ah mon dieu, bah je vais pas polémiquer là-dessus, ça sert à rien. Alors, révolution permanente, Paris, dans la station de métro, invalide, les manifestants, qu'est-ce qu'ils font les manifestants? Les manifestants, alors, écrit en inclusif bien sûr, continuent d'affluer, la police contrôle aléatoirement, notamment des street medics. Les manifestants chantent Darmanin d'émission et entonnent l'international. L'international. Ouais, je préfère une autre type de chanson, d'ailleurs je l'ai prévu. Je vais vous mettre une autre chanson à la fin. Hein, c'est le petit plaisir, c'est le petit bonheur, et je trouve que c'est tout à fait de circonstance. Bon, on est déjà à plus de 11 minutes, je vais peut-être pas en faire des salamalek encore et encore. C'est que le début, encore et encore, c'est que le début d'un cours. Quelque chose vient de tomber, c'est la lacrymogène sur le parquet. Oh, bah je m'arrête, sinon je m'arrête plus, moi. Alors,
La foule est immense à Saint-Étienne, plus que jamais mobilisée contre Macron et son vol avec violence. Eh ben dis donc, il s'en passe des trucs, il s'en passe des machins. Eh ben dis donc. Alors, qu'est-ce qu'il dit là ? Affrontement en cours à Paris, au niveau de la place d'Enfer Rochereau. Les CRS reculent. Et t'avances, je recule. Comment veux-tu, comment veux-tu, ta 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 ta. C'est la danse des canards qui est au de la marque. La 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 la. Foule impressionnante à Paris. Oh, il y a du monde à Mont-Sacram, etc. Bon, on va peut-être pas continuer. Ah bah tiens, la police utilise une grenade lacrymogène au milieu des manifestants assis pour évacuer le port au pétrole de Salzbourg, bloqué depuis tôt ce matin. Eh bah dis donc. Ah, je le dis beaucoup, eh bah dis donc, hein. Du monde et beaucoup de jeunes. La mobilisation s'amplifie avec la mobilisation des facultés et des lycées. Ben oui, bien sûr. La justice suspend les réquisitions des grévistes de la raffinerie de Goinfreville-Lorcher. Ou plutôt Goinfreville, comme j'y suis. Alors là, à genoux à terre. Oh ben dis donc, c'est pas machin truc Live Matter pourtant, hein. Et t'as pas Adama Traoré juste devant? Pourquoi tu mets genoux à terre? Je comprends pas. Alors, mêlée entre manifestants et CRS, d'Enfer Rochereau, une grenade de désencerclement est lancée au pied. Ah bah, elles sont faites pour ça, justement, hein. Alors, ça se passe où, là? Une foule immense à Marseille. Oh là là! Oui, j'ai peur. Oh là là, c'est qui ce monsieur? Et pourquoi il monte du doigt comme ça, lui? Oh, t'es pas beau, toi. Oh, t'es pas beau. Oh, t'es pas beau. Ouh, t'es pas bon. Alors qu'est-ce qui se passe là? Les jeunes dans la galère, les vieux dans la misère. De cette société-là, on n'en veut pas. Ah bah oui, moi non plus, j'en veux pas. J'en veux pas. J'en veux pas. Ta réforme de retraite, j'en veux pas. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là. Je pense que c'était... Oh là, allez, le retour de la danseuse. Ah bah la puce à truc rouge là. Ou c'en est une autre? Ah non, je crois que c'est celle-là, hein. Ah, la passionnette de soleil cette fois-ci? Mon Dieu. Alors, qu'est-ce que ça raconte? On a retrouvé Mathilde dans la danse Pas de retraite sur une planète brûlée. Fait le tour du monde jusqu'au talk show américain. Elle porte une casquette CGT à paillettes et danse contre la réforme des retraites en descendant le boulevard Saint-Germain. Ah, bah, je pense que Darmanin et Macron et Borne, ils sont en train de faire de leurs pantalons, hein, de voir la douairière danser comme ça. Bon. Bon. Ah bah tiens, plus Macron s'obstine, plus il fait plonger le pays dans une crise démocratique. L'autoritarisme de ce GVT, ou plutôt gouvernement, n'arrivera jamais à bout de notre détermination contre les injustices. Ouah, mais ça commence déjà à s'essouffler, t'inquiète, John. Oh là, c'est quoi tout ça? Les policiers et gendarmes font preuve de résilience face aux multiples projectiles reçus au cours des manifestations et lancés par les éléments radicaux qui tentent de perturber son bon déroulement. Ah, ils envoient des trucs qui font bobo. Ah, et le cacatof, on n'a pas vu de cacatof. Des centaines de lycéens en manifestation sauvage. Eh ben dis donc. Ah bah, violeur plus menteur, ministre de l'Intérieur. Eh ben... Le Crédit Agricole, banque assurance, a été pris pour cible par les manifestants à Paris. Ah bah tiens, tu m'étonnes une banque, hein. Et le Crédit Agricole, il manquait plus qu'il s'attaque à l'écureuil. C'est blindé sous le boulevard Blanqui. Direction Place d'Italie à Paris. Eh bé. Ah bah tiens, Antoine Léoman. Ah bah qu'est-ce qu'il nous fait là? Ah bah il a des potes à lui, hein. Soutien au lycée d'Arpajon qui bloque ce matin leur lycée. Vous êtes l'honneur et la fierté du pays, bravo. Ah bah dis donc. Bon allez, bon, j'arrête. Ah bah mais c'est sans fin, hein. C'est sans fin. Ah mais c'est fin, c'est très fin, ça se mange sans fin. Bon, comme je vous ai dit, on va se faire une petite danse des canards. C'est plaisir, c'est pour moi, c'est gratuit. Et après, un petit peu de musique. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'aura intéressé et qui vous intéressera aussi, je n'en doute pas.
N'hésitez pas à mettre un j'aime, n'hésitez pas à commenter tout cela. Vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux, c'est dans la description. Et vous pouvez vous abonner en cliquant sur la petite cloche pour savoir quand une nouvelle vidéo sort. Ouh, ouh. Allez, encore quelques minutes de bonheur en ma compagnie. C'est moi, c'est gratuit, c'est plaisir.